J'ai commencé ma carrière professionnelle. Je connaissais une femme qui était à des kilomètres de distance de moi, mais je croyais en elle maintenant. Les femmes m'inspirent partout, tous les âges, tous les environnements de leur vie. Tout est ouvert à nos expérimentations, le monde, afin de nous voir prospérer de façon inédite. Mais contrairement à ce que l'on pense, à ce que pense la majorité, nous devons... Travailler pour nous-mêmes, c'est un processus où nous allons trouver la meilleure version de qui nous sommes, nous pour être les catalyseurs de notre vie, de nos environnements et répondre de façon éloquente à la vie. Quand nous sommes définis par ce que nous sommes et nous que nous travaillons à la maison ou que nous puissions devenir les leaders, car quand nous sommes honnêtes, les autres vont croire en nous. Vont se soucier de nous et vont nous suivre. Good morning, good afternoon, good evening. Bonjour, bon, bonsoir, bien sûr, soyez les bienvenus, les catalyseurs du changement, les femmes dans la science, les femmes, les donneurs. Dans la science. Nous allons écouter Yvonne Ochoa Rosselline, un expert des finances. Vous aurez la traduction en français, en anglais et en hindi. Alors, vous pouvez... Le séminaire sera enregistré et sera disponible sur YouTube. Nous aurons à la fin de session de questions-réponses et vous pouvez envoyer vos questions sur Slido et également dans le, dans, pour le clavardage sur votre ordinateur. Vous aurez accès, on va vous donner l'accès à Slido pendant la présentation. Suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les femmes dans la science. À la fin de la conférence, notre intervenant va être interviewé par Immerde Papal de Femmes dans la science. Alors, notre directeur de CIMIT va ouvrir la session. Docteur Cowertz, vous avez la parole. Merci Isabelle. Bonjour, bonsoir à tous. Bon, Cela dépend de votre fuseau horaire. Bon, euh, je souhaite la bienvenue à tout le monde sur, sur Zoom et tous ceux qui se sont connectés euh, sur les autres canaux. Notre centre, le CIMIT, nous sommes heureux de pouvoir démarrer avec ces séries qui sont Dead Talk Meets et. Ce sont des conversations. Pourquoi avons-nous installé ces catalyseurs du changement, les femmes dans la science? Nous voulons la représentation et un équilibre également des sexes dans la science. Et nous avons déjà eu ce problème pendant longtemps. Alors, il faut passer à l'action et il faut avoir des modèles qui donneront une opportunité dans l'organisation et ailleurs pour qu'ils apprennent de nous pour pouvoir définir notre propre leadership qui s'adaptera à leur historique et à leur propre avenir. Dans cette série, nous avons mis en exergue les femmes mais également leur habileté. Vous pouvez être le leader de votre famille, de votre communauté, de votre affaire, de votre entreprise, le club auquel vous êtes adhérent, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis vraiment fière, tout spécialement, euh, je me sens vraiment très modeste de vous présenter Vonochoa Rosaline. Elle est un expert de, des stratégies, des finances. Elle est CFO du groupe COPEL. Une entreprise très bien connue au, au, au Mexique, plus de 8 milliards en, en chiffre d'affaires et des millions de clients. Aujourd'hui, aujourd Yvonne est, fait, fait partie de nombreux conseils d'administration et, et de Viva Airbus, une ligne aérienne. Elle a, euh, elle a établi sa, sa propre entreprise. Où elle a attiré des CEOs, des PDG de nombreuses entreprises, et elle a porté de nombreux projets au Mexique, aux États-Unis, en Argentine, en Espagne, pour n'en nommer que quelques-uns. Elle a été très active dans de nombreux secteurs, la finance, la banque, la technologie, la biotechnologie, les services domestiques, la manufacture, les, les industries de la restauration et bien sûr l'agriculture. Yvonne a été nommée une des femmes les plus puissantes du Mexique en 2020 et de nouveau par... La, la revue Expansion en 2020 et 2000. Alors, Yvonne, merci d'être ici, merci de votre présence, merci à tous qui vous êtes joints nous en ligne. Nous avons beaucoup à apprendre du leadership d'Yvonne, de ses expériences. Alors, sans plus, je souhaite la bienvenue à Yvonne. Madame, vous avez la parole. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour cette opportunité, merci pour cette introduction si généreuse de tout ce que j'ai fait et tous mes voyages. C'est un honneur que de me joindre à vous et de faire partie de cette série de conférences qui euh, feront partie du programme Catalyseur du changement. Alors, j'espère que je pourrai participer à toutes vos réussites. Alors, voici ma présentation à l'écran. Alors, peut-être. Bon, J'essaye. Les voilà. Alors vous avez ma présentation à l'écran. Alors voilà, vous avez déjà la présentation à l'écran, oui, très bien. Alors ça ça marche. Alors, on voulait parler de changement et des catalyseurs du de changement. Alors, j'imagine, bon, je pensais plutôt à toute cette idée, et je me posais la question est-ce que je suis un catalyseur du changement bon, La première chose qui m'est venue à l'esprit, oui, euh, j'ai euh, fait de nombreux changements. J'ai euh, travaillé dans la banque pendant de, nombreuses, pendant de nombreuses années. Après, je suis devenue spécialiste des entreprises, a changé les entreprises. J'ai été euh, directeur de ces suites dans, pour différentes entreprises et j'ai été membre de conseil d'administration dans plusieurs entreprises. Alors, il semblerait que j'ai porté euh, énormément euh, d'actions euh, vouées au changement, mais est-ce est que je suis un catalyseur? Le catalyseur euh, provoque les changements. Alors, euh, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai véritablement fait? Est-ce que je suis devenue un catalyseur du changement euh, pour le monde? Alors, bon, j'ai commencé. Euh, mes expériences, j'ai commencé à travailler avec les femmes, la plupart, bon, j'ai eu cinq sœurs, j'ai cinq sœurs, j'ai travaillé surtout avec des femmes, euh, j'ai, euh, j'étais à l'école au Mexique, euh, euh, une école de filles aux États-Unis également, une école de filles après l'université, même s'il y avait euh, des garçons également. Il se trouve que la plupart des élèves dans ma carrière, la carrière que j'ai choisie, c'était des femmes. Alors là, une grande partie de ma vie, je me suis posé la question pour être un catalyseur du changement. C'est plus lié à qui vous êtes et non pas ce que vous voulez faire. Alors, quand on est petit, on se pose la question qu'est-ce que je voudrais faire quand je serai grand et, et, alors, c'est toujours la question, que voudrais-tu être quand tu, quand tu seras un adulte Où est-ce que j'aimerais travailler Et après, euh, on commence à travailler, on est déjà en, en, en vie active, et alors, on commence à devenir. Et on se pose la question, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire bon, euh, au travail, c'est tout ce que vous faites, quelles sont vos habiletés, vos capacités, mais on ne se pose jamais la question qui vous êtes vraiment. Et ce qui commence à se passer dans votre vie et au travail, c'est qu'on commence à oublier. On commence à oublier qui on est. On oublie, on laisse de côté nos rêves, nos souhaits, nos ambitions, notre vie personnelle. On laisse de côté nos idées, la connaissance, ce qu'on voulait apprendre de la vie. On commence à oublier. Les aventures, les périples qu'on avait, qu'on avait à l'esprit, et on commence à être inconformiste, et surtout en tant que femme, on commence à s'adapter aux perspectives du monde, ce que le monde croit qu'on devrait être en tant que femme au travail, en vie active. Alors, on commence à se cibler sur ce qu'on fait pas sur ce qu'on est. Alors il y a tous ces stéréotypes de ce qu'il faut que les femmes fassent quand elles sont au travail. Alors j'ai euh, eu de nombreuses expériences. On m'a dit de porter un, un uniforme car que font les femmes Les femmes elles portent un uniforme, pas les hommes au travail. Alors il y a eu un travail où les femmes devaient porter un uniforme. Et après, vous passez par tous les stéréotypes. Peut-être vous serez celle qui va servir le café pendant la réunion, même si vous êtes l'analyste, même si vous serez la personne qui va faire les présentations. Vous allez servir le café. Et on m'a appris à un moment donné que si je portais une jupe, j'aurais beaucoup plus de succès, à un succès rayonnant. Alors, que devons-nous faire? Nous sommes la personne. On m'a dit que je devais prendre. Des notes parce que j'étais une femme. Alors on m'a dit que peut-être je devrais partir chez moi et m'occuper de mes enfants. Alors, ça, ça n'en finit pas. Alors, ce n'est pas qui vous êtes, que euh, quelles sont vos ambitions. On retombe dans, cette, euh, dans ce style de vie. Au lieu de et sur ce qu'on fait on se cible sur ce qu'on fait alors on commence j'ouvrais je, je, les portes et je, je faisais quelque chose euh, quelque chose d'autre quelque chose de différent il semblait que je, je n'arrêtais pas d'ouvrir des portes alors oui il y a un changement mais il y a une énorme différence entre euh, changer et ouvrir la porte suivante et être le catalyseur du changement dans le monde et c'est vraiment l'idée qu'on poursuit ici et c'est l'idée qu'on poursuivait quand on était enfant c'était notre ambition alors c'est très intéressant quand on pense à tous là quand on observe l'image de nombreuses portes qui qui mène nulle part, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais après, on se rend compte plus tard dans notre carrière, ce n'est pas les portes qui mènent nulle part, ce sont les portes qui ouvrent, qui s'ouvrent à toutes les possibilités, à tous nos rêves. Et c'est c'est ça qu'il faut changer, c'est changer notre point de vue, la perspective. Alors on se pose la question quelles sont nos compétences Qu'est-ce que j'apprends tous les jours Quels sont mes acquis Quelles sont les possibilités Et qui suis-je et comment vais-je explorer le monde de manière différente et justement quand on commence à se cibler différemment à observer la situation d'une perspective très différente quand on observe bien l'horizon pas de si près mais seul, seulement avec un peu de recul et observer euh, au quotidien et se poser la question, euh, qu'est-ce que je veux faire Où euh, est-ce que je veux en venir euh, Quelles sont mes ambitions Et euh, trouver nos propres couleurs. Et il y a cette femme magnifique qui prend des photos de personnes dans le monde entier à ce projet, et, et Humani, elle dit, nous avons tous... Nous avons tous notre propre couleur et vous voyez toutes ces photos de personnes et euh, c'est des photos de toutes les couleurs. On voit la vie en, en blanc et, no et en noir, mais euh, c'est vraiment un éventail de possibilités infinies. Euh, alors, que voulons-nous devenir? Et quand on observe notre propre couleur, il se trouve que ce sens d'invisibilité dans notre vie quotidienne... Et quand on ne fait que travailler, sortir du travail, aller chez nous, et on se sent que rien n'a été conçu pour moi, rien ne marche pour moi, et rien n'a été conçu pour moi. Et quand on commence, à, et quand on arrête de penser à tous euh, ces problèmes, et on se pose la question... Euh, Qu'est-ce qu que je veux être? Qui je veux être? Et où, où, où est-ce que je me trouve en ce moment? Alors, cela change la perspective et le regard qu'on a sur la vie. Il faut, on nous dit qu'il faut entraîner les femmes pour le travail. Je dis non, on, il ne faut pas entraîner les femmes pour le travail. Il faut qu'on aille chez nous et qu'on commence à inclure les hommes euh, à la maison et les familles à la maison et analyser qui nous sommes à la maison et non pas au travail. Car le travail ne nous définit pas, surtout pas simplement euh, un moyen pour parvenir à une fin. Alors, dans ce périple... On observe nos pensées, comment on analyse la vie, l'impact qu'on a sur la vie. Alors les choses commencent à changer. On commence à découvrir nos propres habiletés parce qu'il ne s'agit pas de nos compétences, de notre capacité. Il ne suffit pas de dire je suis un docteur en sciences formidable et euh, j'en connais sur la génétique. Mais tout ce que vous faites, tout cela vient d'une seule place. Qui vous êtes et parce que vous pouvez vous communiquer, vous pouvez euh, trouver des idées, vous pouvez euh, avoir porter des innovations, vous communiquer avec les personnes, réaliser euh, des activités. Et quand on se communique avec les gens, quand on travaille en équipe, quand on analyse euh, euh, les nouvelles idées, euh, les nouvelles choses qui nous entourent, comment toutes ces nouveautés euh, sont liées aux personnes. C'est comment on interagit avec les personnes, où on gagne leur confiance, on comprend comment nos méthodes de travail, on appréhende ce qu'ils veulent vraiment dire. Et quand on l'analyse vraiment, euh, quand nous sommes créatifs et quand nous sommes les enclencheurs du changement, on commence à trouver qui nous sommes, comment on interagit avec d'autres personnes et plus important une des choses qu'on finalement et il faut rebondir là-dessus en termes de qui nous sommes, de qui nous sommes, nous sommes des personnes, nous sommes des animaux sociaux, nous sommes une société énorme et la société n'est pas construite au travail, aussi site du travail, la société se construit à la maison, hein, à la maison, au foyer. Nous sommes tous euh, des euh, soignants, des personnes qui construisent un foyer. Dans le cas des femmes, 85% des femmes dans, au monde Monde sont des euh, sont, sont, sont des mamans sont des mères alors qui sommes nous en dehors du travail du de ces deux travail alors quand on se cible là-dessus quand on l'analyse quand on quand quand on finalement on complète le puzzle il y a des singuliers il y a des particularités quand, et quand nous avançons dans nos carrières professionnelles, nos vies, et tout cela résonne avec nos ambitions, qui on voulait être, et tout d'un coup, euh, c'est comme si on était dans cet ascenseur électrique, ces escaliers électriques, et on commence à monter. Quand les personnes nous voient... Euh, avancer, euh, qu'on se développe, qu'on évolue de façon positive, qu'on analyse les choses ainsi, on, on devient les leaders de la prochaine génération, on devient alors les leaders du changement. Alors j'imagine que ce que j'imagine de communiquer à travers ce périple mes acquis, mes expériences. Plus, bah, plus que changer euh, les, euh, les emplois et les positions, la plupart du temps, j'étais un catalyseur du changement et j'étais un catalyseur du changement au fur et à mesure que j'ai commencé à insérer dans toutes mes actions qui j'étais. Et quand je pense aux femmes dans la science, est-ce que j'ai eu un impact dans la science? Ce qui est intéressant, j'ai toujours été impliquée dans des, dans des, dans des sciences extraordinaires. J'étais impliquée avec Messenger Arnay il y a 10-12 ans. Quand euh, ce n'était pas populaire et Messenger Arnée est devenu euh, très euh, populaire après les vaccins, euh, la Covid, j'étais impliquée dans la régénération neurologique, la régénération des neurones et c'est formidable de penser à cela. Euh, j'étais impliquée dans la microbiologie et l'agriculture et Bon, J'ai réuni tous les éléments de la nature pour, euh, pour les récoltes, pour l'amélioration des sols. Je me suis impliquée dans de nombreux projets environnementaux. Alors, très intéressant, je ne m'étais jamais perçue comme une femme dans la science, mais quand on pense à tout ce qu'on a à faire dans la vie, euh, on, 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 veut, on veut entamer des changements, on veut amorcer des changements et certains d'entre nous comme euh, les ailes des papillons qui auront un grand effet dans la vie. Il y a euh, des petites actions qu'on peut prendre où on va enclencher un changement. J'ai été un catalyseur du changement et j'aimerais bien penser que j'étais un catalyseur du changement à ma propre manière en tant que leader euh, entrepreneurial à, dans le cadre des investissements, à promouvoir euh, des projets qui n'auraient jamais été réalisés si on n'avait pas eu euh, les entreprises pour les porter, les accompagner. Donc, la journée, le périple, avoir pu réaliser tout cela ne venait pas du tout... De, de, la plateforme de ce que j'avais fait, je n'étais pas doctoresse en sciences, je n'étais pas expert ni en neurones, ni en microbes, ni en, environ, en, en, en environnement, ni en nutrition. Mais je m'appliquais à tous ces projets à partir de différentes perspectives, à partir des perspectives de qui je suis, que les personnes aient confiance et confiance que quand je recommande une entreprise ou euh, des, des finances, c'est vraiment moi-même. Il ne s'agit pas de euh, mon historique, de ma euh, connaissance, de mes acquis, mais que quelqu'un vienne à vous et vous parle euh, parce qu'ils ont, parce qu'ils vous font confiance. J'ai fait mon travail, j'ai suivi le processus, je comprends où est-ce qu'on investit et je recommence. Je ne sais pas si scientifiquement cela va marcher, mais vous pouvez avoir confiance, faire confiance au processus. Alors ils vont, ils vont dire, euh, euh, poser la question à Yvonne ou à la doctoresse Yvonne en sciences ou non, ou à qui a construit euh, cette perspective du monde où elle pourra euh, enclencher le changement à partir, à partir d'une perspective à partir de la perspective de qui elle est. Alors, c'est véritablement euh, ce que euh, le point saillant ou comment se cibler, comment devenir les catalyseurs du changement et non pas à partir de ce qu'on fait, mais plutôt à partir de Personnes qui sont des personnes heureuses, qui euh, sont euh, réalisées, qui viennent au travail, qui ont la tête pleine d'idées, d'innovation. Et c'est vraiment euh, le message très succinct que je voulais euh, véhiculer. Et bon. Tout prête pour Havana. Merci tout eh près de toi parna parna comment allez-vous ah, merci beaucoup Yvonne pour cette présentation euh, excellente bon, je vais me présenter je suis une femme dans la science et je suis membre euh, des, euh, des, 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 des femmes dans les sciences de la récolte je suis euh, également euh, ice wires et je suis passionnée, vous pouvez voir, je suis passionnée pour la cause des femmes. Et depuis 26 ans, je travaille dans la génétique. Et en dehors de cela, je, je suis une défenseuse de la communauté. Je reconnais que la représentation des femmes est importante. Et je fais tout ce que je peux pour, euh, pour consolider l'égalité entre les sexes, surtout dans la communauté scientifique. Et c'est un honneur que de pouvoir vous interviewer aujourd'hui, Yvonne, et surtout dans cet échange très informel et suite à votre présentation. Cela résonne en moi quand vous dites être un catalyseur du changement et pas se changer soi-même, cela dépend de la perspective, comment les gens vous perçoivent, mais plutôt penser quels sont les changements que je vais pouvoir porter, pas seulement me changer moi-même, cela euh, résonne profondément moi, et c'est un, euh, un message puissant. Au début de toute cette série de catalyseurs du changement. Merci beaucoup. Alors, j'espère pouvoir euh, tenir euh, une conversation avec vous. Je vais vous poser quelques questions et après, on va ouvrir euh, euh, le, le, le micro à notre public. Bon, pour commencer, peut-être. Bon, d'après toutes les expériences, d'après votre vécu et tous les différents profils et positions que vous avez tenus, d'après ce que je vois et d'après votre présentation, vous avez tenu de nombreuses positions. Quels sont les grands défis que vous avez eu à relever et comment avez-vous pu surmonter les barrières? À un ou deux défis. Merci à Parna. Ah, alors, je suis honorée d'être interviewée par vous, doctoresse Aparna. Je crois que le grand défi a été euh, quand on commence à travailler, les personnes se ciblent surtout sur votre CV et les personnes se ciblent sur cette page qui dit bon j'ai été j'ai fréquenté cette école et cette école cette université j'ai fait ceci cela alors je ne le fais plus maintenant euh, je fais les interviews sans le CV devant moi je regarde la personne et cela a été mon plus grand défi à parna au cours des années au lieu d'essayer de nous définir aussi de travail à partir de notre CV, de cette feuille de papier, c'est plutôt comprendre la personne en face de nous, la personne que nous interviewons sans cette feuille, parce que je leur dis, je ne sais pas qui vous êtes, je n'ai pas lu votre CV, alors parlez-moi de vous, de vous-même. Alors tout d'un coup, la conversation... Euh, Change complètement les personnes, nous parlent de leur vie, de leur expérience, comment ils ont changé de poste, d'entreprise. Et cela a été mon plus grand défi. Ne plus me cibler sur les euh, processus biaisés, sur les stéréotypes, mais plutôt nous cibler sur la personne. Les personnes, parce que sans les personnes, les entreprises n'existeraient pas. Quand les personnes se réveillent le matin euh, et, et, et vont travailler pour réaliser le travail, pourquoi est-ce que on ne voit pas la personne Un jour, j'ai été à, pour mon premier poste, poste de travail, pour mon premier concours. La, la première question qu'on m'a posée est êtes êtes-vous enceinte Allez-vous être enceinte euh, Allez vous faire un examen et allez-vous, euh, allez-vous, parlez-vous l'anglais? Alors pour moi, c'était vraiment quelque chose de terrible quand les jeunes arrivent euh, et, euh, et, et, et sont candidats pour un poste. Je leur demande qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras 30, 40, 50, car comment, comment allons-nous construire une carrière pour... Vous, où vous allez impliquer votre famille? Comment allons-nous vous trouver un poste au niveau international pour que vous puissiez voyager? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train euh, d'adapter notre vie professionnelle à qui nous sommes ce qu'on veut être et non pas euh, par rapport à ce qu'on doit faire? Et c'est là le grand défi à Parnas: se cibler sur la personne et non pas euh, les travaux et, et, euh, et les tâches à faire. Ah, c'est très intéressant. Vous avez parlé d'interview et je me disais... Est-ce qu'on peut faire des interviews en aveugle et regarder leur CV sans regarder spécifiquement si c'est un homme ou une femme Je disais toujours aux membres du comité, euh, pourquoi ne pas se cibler sur les habiletés de cette personne Car, euh, par exemple, dans mon domaine de la reproduction et la génétique, bah, ce sont les hommes qui euh, ont le dessus et, et parfois le commentaire est « elle n'est pas assez forte ». Alors, euh, analyser… Euh, ne regardez pas le CV, regardez la personne, posez-lui des questions. Alors ça, c'est un point de vue très intéressant qu'on pourra mettre en œuvre pendant euh, nos processus de recrutement chez nous. Alors comme j'ai déjà dit... Moi, je viens euh, d'un domaine de travail que, domine, que les hommes dominent, surtout euh, dans les rôles de leadership. C'est tous des hommes. En tant que leader femme dans une industrie euh, dominée par les hommes et où les hommes... Hey. Et quelles quelle stratégies ont été efficaces? pour renverser les barrières et pour vous aider à faire évoluer votre carrière professionnelle et quel serait votre conseil pour les femmes qui ont une ambition d'être leader bon. bon. Ce que je disais au début, au début, on essaye de s'adapter à tous les stéréotypes, euh, les hommes et les femmes. Euh, et ce n'est pas euh, comme on nous perçoit, mais la manière dont on, euh, dont on se cible sur les choses. On m'a euh, élevé, euh, et et élevé pour être poli et servir le café euh, pendant les réunions. Alors, ça faisait part de mon rôle, de mon poste. Alors, au début de ma carrière professionnelle, ça a été très compliqué car j'essayais euh, de voir comment je m'adaptais à l'environnement. Et parfois, euh, je, je posais la question. Peut-être je dois m'habiller comme un homme, agir comme un homme, penser comme un homme. Et c'était la folie. Et il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen de vivre une vie où nous pensons constamment comment est-ce qu'on va s'adapter ou, ou qui ne nous laisse pas nous adapter à l'environnement. En finalement, euh, j'ai levé les mains et puis je me suis dit bon, je vais faire, ben, je vais faire ce que ce que je que je veux et à quoi je suis bonne, et si, et si ça ne leur plaît pas, ils euh, bon, vont me licencier, un poids c'est tout, ou je, vais, ou, ou, ou je vais leur présenter ma démission. Mais à chaque fois, j'arrivais à un cul-de-sac et je me disais, bon, évidemment, euh, et, euh, cela. Va me prendre dix années euh, d'arriver au prochain échelon et peut-être je devrais changer et je devrais faire quelque chose d'autre. Mais euh, cela est un chemin, un devoir. Il faut vraiment euh, se montrer, dire Bon, je peux vraiment faire cela, c'est ça que je veux faire. Et voilà euh, le, la grande préoccupation. Peut-être je suis une femme, peut-être euh, je ne vais pas voyager, mais le problème, il faut avoir une conversation. Peut-être il faut avoir une conversation. Peut-être j'ai l'ambition de voyager. Euh, les cinq six premières années de, 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 de ma carrière professionnelle peut-être après euh, je veux avoir des enfants alors pourquoi ne pas euh, concevoir nos carrières ainsi alors donnez-moi une position pendant les six sept premières années alors je vais reprendre toutes mes connaissances tous mes acquis et je vais alors euh, les, euh, les, les, les les remettre au laboratoire et alors on peut Planifier nos carrières, mais il n'y a pas un plan de carrière. On ne fait que recruter la personne pour ce poste. C'est pour cela qu'on ne satisfait jamais les attentes. Car comment est-ce que cela va euh, tourner dans 5-6 ans Et alors, on peut dire, oui, j'ai eu une femme pendant 5-7 ans et maintenant j'ai quelqu'un de formidable qui a énormément d'expérience sur le terrain, qui travaille dans le laboratoire. Alors, en tant qu'employeur, j'avais tout ce dont j'avais besoin et en tant qu'employé, vous aviez tout ce dont vous aviez besoin, mais on n'avait pas de conversation. On essayait d'adapter, de mettre des personnes dans des boîtes et seulement dans des boîtes pour un certain, pour, 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 pour un certain nombre d'années. Sans se poser la question. Ah, grand message tenir des conversations, des échanges, discuter et parler honnêtement, s'exprimer et ne pas hésiter. Alors cela va nous porter loin et, et nous porter loin et atteindre tout ce qu'on veut atteindre. Et peut-être, euh, j'aimerais connaître votre point de vue dans les organisations par de l'inclusion, de diversité. Et maintenant, euh, on parle d'innovation et de succès de l'entreprise. Avez-vous des exemples dans les organisations pour lesquelles vous avez travaillé? Comment ces valeurs travaillent au niveau des organisations et quels sont les impacts dans les euh, entreprises une fois qu'on les euh, met en place? Bon, euh, je rebondis sur la même réponse. Dans les entreprises où on s'efforce de mettre les personnes dans des boîtes, ce n'est pas naturel, ce n'est pas euh, confortable. Euh, Voyez-vous voyez la diversité et la manière dont euh, je le perçois moi-même. La diversité est euh, liée à absolument tout dans la vie. Ce n'est pas seulement les hommes, les femmes ou les conversations sur euh, l'égalité entre les sexes. Par exemple, j'ai eu à travailler avec des, des spécialistes du marketing, de l'agriculture. Les industries telles la construction ou les ventes au détail des personnes qui venaient euh, des... De, de, de qui venaient de contextes très différents et avec de très nombreux types de personnes, même si nous sommes des femmes, chaque femme, elle est différente. Alors, quand on tient euh, une conversation en disant chaque personne a une couleur différente, une nuance différente, et il faut être à l'aise avec cet éventail de couleurs et de nuances. Alors, si, de nouveau, on commence à... Euh, à encloîtrer des personnes dans des boîtes et dire que cette entreprise a une politique de diversité assez importante parce qu'on a mis deux de cette couleur dans une boîte, trois de cette couleur dans une autre boîte, alors bon, tout le monde sera encloîtré, euh, renfermé dans une boîte. Et ce n'est pas ça la diversité. Les personnes qui vont se débarrasser, les entreprises qui se débarrassent de cette idée de comment est-ce que je vais classifier, comment est-ce que je vais écrire les politiques, comment est-ce que je vais... Être toujours politiquement euh, correct. C'est-à-dire, nous sommes tous des personnes, des êtres humains. On arrive au travail le matin. On essaye tous euh, de résoudre notre vie. Alors, euh, respectons euh, nos collègues. Et c'est là, là, là où j'ai la différence dans les entreprises qui ont eu euh, grand succès, surtout une entreprise que j'apprécie énormément, on peut le voir bien tangible, chaque communication qu'ils ont, chaque réunion qu'ils tiennent, vous savez que la culture, elle est profondément ancrée, ils respectent tout le monde. Ils, ils, ils ne doivent pas, ils ne doivent, ils, ils doivent, plus rien dire là-dessus. Ils, ils sont en train de le mettre en œuvre et ils l'ont très bien fait. C'est ça le secret ne pas essayer, euh, ne pas trop s'efforcer, ne pas trop compliquer les choses. J'imagine que les entreprises doivent avoir euh, une euh, approche très bien ciblée s'ils veulent créer un environnement de, de, inclusif c'est possible mais ils, ils doivent trouver euh, la façon de le faire bon, euh, l'inclusion plus que euh, combien de personnes je vais choisir Plus que les quotas, c'est apprendre des valeurs et respecter euh, tous les êtres humains. Chaque, fin que, chaque fois que quelqu'un va prendre la parole, on l'écoute, on le regarde dans les yeux, on on, on... On laisse nos téléphones sur la table, on écoute ce qu'ils vont dire quand on les interviewe. On n'est pas en train de regarder une feuille de papier, on regarde, à, on regarde la personne, on est connecté à ce qu'ils sont en train de dire, on se connecte à la personne. Évidemment, évidemment, il faut avoir une intention directe. Vous avez raison, il doit y avoir une intention. S'il n'y a pas une intention, une idée, bon, c'est très compliqué. On voit euh, ces sites de travail où il y a aucune intention, ce, n pas, ce ne sont pas des sites de travail heureux, pas du tout. Mais alors la différence. Où, où va votre énergie? Où ciblez-vous votre intention? Vous acceptez tout le monde ou vous essayez euh, d'avoir le droit d'encloîtrer tout le monde dans des petites boîtes? Alors Yvonne, vu votre historique, votre carrière, vous avez énormément, vous êtes énormément euh, développé en tant que... Que leader dans ce rôle. Alors, que pensez-vous que les femmes doivent cultiver pour devenir des professionnels d'excellence, ex pour être des leaders d'excellence bon, C'est intéressant, car on parle de femmes, on parle de femmes dans tous ces papiers académiques, quand on parle de compétences douces, bon, douces dans nos dans, dans nos esprits biais, biaisés bon les habiletés dures sont meilleures que les habiletés douces mais je ne pense pas moi je ne pense pas que c'est ainsi les euh, compétences douces euh, s'adaptent très bien aux femmes et au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie ces habiletés deviennent plus importantes car quand on grimpe cette échelle euh, cette échelle corporative euh, et votre vision n'a rien à voir avec votre connaissance, mais plutôt avec votre personne, la personne que vous êtes. Êtes-vous capable de négocier, euh, de réaliser les tâches à réaliser quand il y a des personnes si compliquées, quand vous continuez à grimper l'échelle corporative et il y a des personnes qui ne vont jamais changer d'idée? Alors ces habiletés de négociation sont très importantes et ces capacités, la capacité, la bienveillance d'écouter l'autre personne. Écouter ce que les personnes ont à dire afin de commencer à exprimer notre opinion. Toutes les habiletés des femmes sont surprenantes. Nous sommes si bien formés pour, pour jongler tout ce, tout ce qui vient à nous, pour jongler avec, avec tout ce qui vient à nous. Alors, je me fais confiance en tant que femme, en tant que femme cadre, plus que jamais. Alors, pour gérer nos situations les plus compliquées et, et, et pas seulement réaliser les tâches, les femmes sont absolument capables euh, d'être des femmes quatre. Bon, euh, que les compétences douces sont excellentes pour le travail et sont quelque chose de très naturel pour les femmes. Euh, cela m'a rendue très heureuse. C'est vraiment très très vrai. Et si on nous reconnaît pour cela, on pourra grimper encore plus haut dans cette échelle corporative des organisations. J'écoute, j'entends parler de formation, de formation, et ça me rend folle la formation, la formation, car vous savez ce qui se passe. On entend parler euh, euh, en dehors, on, on doit suivre une formation, une formation, et partout où on regarde, il y a notre cours, il y a notre séminaire à prendre, il y a euh, notre séminaire à être dispensé. Et on m'interviewait l'autre jour pour notre position et on m'a demandé bon, euh, combien de cours avez-vous pris Combien de cours avez-vous suivi Bon, je leur ai dit oui, je peux prendre 20 euh, cours, mais euh, faites-moi confiance. Cela fait 30 ans que je travaille dans le domaine des affaires et des stratégies et je comprends bien ce que je fais. Et si vous avez besoin euh, que quelqu'un vienne euh, me donner des coups de fouet pour que je leur dise Bon, j'ai suivi cette formation, bon, euh, cela ne veut pas dire que je ne fasse plus de formation, mais cela va changer les perspectives. Tout le monde cesse de nous dire qu'on a besoin de se former, qu'on forme les femmes pour, qu euh, pour que leur carrière soit couronnée de succès, mais cela n'a cela rien à voir avec euh, la formation, mais c'est plutôt euh, quel est le sens commun, euh, quel est mon sens commun pour réaliser les tâches. Vous travaillez dans le domaine de la génétique, de la reproduction. Alors, comment, comment puis-je vous l'expliquer est-ce que on a besoin d'un petit saut d'approbation euh, sur le front Non, c'est plutôt faire confiance. Euh, grâce à votre historique, votre expérience, vous êtes déjà préparé à gérer de nouveaux projets. Alors c'est euh, une nouvelle compétence à prendre car il y a une nouvelle science euh, qui commence à émerger. Mais on devient ces personnes, ces personnes qui ont besoin euh, d'obtenir des certifications et de tous ces sauts, euh, de, de, de tous ces sauts additionnels qui il démontre qu'on est bon à ceci ou à cela. Bon, si on l'a, c'est bien, mais cela ne marche pas à moins qu'on ait, qu on, qu on ait confiance en nous. La confiance de soi est, la confiance de soi est essentielle. Le reste, c'est additionnel. Le reste, c'est supplémentaire, mais c'est plutôt se faire confi avoir confiance en, en, faire, en soi. Ben, oh, ça a été une session formidable. Alors, un grand apprentissage. De nombreuses idées résonnent dans ma tête qui viennent de vous et de toutes les nouveautés que vous avez, dont vous avez parlé. Bon, je voudrais poursuivre la conversation, mais on va donner l'occasion à d'autres personnes de tenir une conversation avec vous. Merci beaucoup. Merci. Et je cède le micro à Isabelle pour qu'elle commence avec la session de questions-réponses. Merci. Merci à Parna. Merci. Merci pour euh, vos contributions, pour vos échanges. On apprécie euh, cette interview et cette euh, présentation, c'est intéressant. On ouvre maintenant la session bon, questions-réponses. Alors, euh, vous allez envoyer les questions sur l'application, l'appli Slido. Nous avons euh, ici la case de clavardage. Donc, première question que nous avons reçue sur Slido. Partie. Bon que représente le CIMIT et, et, et comment est-ce que et que, comment peut simit être un catalyseur du changement à partir de votre point de vue que représente simite et qu'elle est pour pouvoir être un catalyseur du changement? Bon, j'imagine que l'historique de simite a toujours toujours les porteurs du changement. Et c'est important parce que quand je pense à simite de deux manières, d'un côté, il y a euh, l'historique important, il y a tout, tout ce cépage de, de semences, de graines, et vous avez cette souche de graines, cette bibliothèque de graines, de semences, l'agriculture. Euh, et vous en, êtes, vous en êtes le gardien. Alors, il y a toute cette histoire derrière eux, toutes les possibilités euh, qui, qui représentent, euh, représentées par les semences, par les graines. Alors, on prend toutes ces connaissances, tous ces acquis, toute cette histoire et on la transforme en quelque chose de nouveau et on offre en continu aux personnes, aux entreprises, aux organisations. Et aux, et aux exploitants, aux, aux fermiers, de nouvelles possibilités, de nouvelles méthodes, car les personnes sont, sont alimentées parce que cela fait partie de la chaîne d'alimentation. Alors, ce sont absolument des catalyseurs du changement, sans aucun doute. Merci, Yvonne. Question suivante, en tant que jeune femme dans la science. Je trouve que c'est un défi que devenir un leader. Comment puis-je faire que mes collègues hommes m'écoutent et suivent mes indications? Les personnes ne suivent pas nos indications nécessairement. C'est ma théorie. Les personnes elles, ne suivent pas nos indications seulement parce qu'on nous a... Euh, on a reçu une nomination comme leader, si je suis directrice, si c'est ce que l'organigramme euh, indique, cela ne signifie, ne signifie pas nécessairement que les personnes vont faire ce que je dis ou ce que je recommande ou ce que je fais. Et tout cela est lié à ce que j'appelle l'autorité morale, pas simplement l'autorité, mais l'autorité morale euh, euh, provient de l'intérieur. Moi, je peux être la personne avec le plus d'expérience dans mon équipe, et c'est la raison pour laquelle on, euh, on, on m'a affecté à cette position. Mais la seule raison pour laquelle les personnes vont vous suivre, c'est pas seulement que vous ayez les, les connaissances, mais que vous avez la capacité pour qu'ils vous fassent confiance, qu'ils fassent confiance à ce que vous dites et à, 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 à ce que vous faites, où vous avez mis le cap. mais que vous êtes vraiment la personne qui a une solution et qui écoute tout le monde pour trouver la meilleure solution. Alors, comment faire que tout le monde, qu'on qu suive mes indications et que les personnes, euh, euh, bon, sans cette invisibilité, que personne ne nous regarde, mais vraiment, quand on regarde à l'intérieur et on se pose la question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et comment allons-nous pouvoir nous communiquer avec les personnes? Euh, Sommes-nous euh, confiantes en nous-mêmes quand nous agissons? Et c'est cela qui va marquer la différence et que les personnes euh, euh, souhaitent nous suivre. Car même en tant qu'enfant dans la vie, à l'école, quels étaient euh, les enfants que les petits, les petits camarades que euh, vous souhaitiez suivre? C'était les euh, petits camarades qui étaient euh, confiants d'eux-mêmes et, et, et qui s'expriment honnêtement. Alors, quand, quand on se pose la question, qui suis-je en tant que personne euh, Et non pas nécessairement mes capacités, mes habiletés. La personne. Merci, Yvonne merci pour ces idées, suggestions. comment tenir des conversations ouvertes et s'assurer euh, qu'on qu n'a pas de stéréotypes discriminatoires euh, ou biaisés? absolument. les conversations euh, sont toujours euh, un peu sont un peu un piège car on est toujours en train d'interpréter ce que l'autre personne est en train de nous dire. Alors, on vit la vie en pensant à ce que les autres à ce que les autres font et non pas nécessairement à ce que nous faisons nous-mêmes et comment les autres répondent à tous ces stimuli à ces stimuli dans ces conversations qu'on souhaite tenir si nous sommes ouverts, si nous sommes sincères, si quelque chose et, et a été mal compris oh, on, peut, on peut dire bon est-ce que vous pouvez le répéter parce que euh, je ne veux pas ce n'est pas ainsi que je voudrais euh, je n'entends pas cela moi-même je voudrais euh, le revoir alors il faut reprendre la conversation car j'essaie euh, de découvrir quelque chose pour ma carrière et ce n'est pas une conversation mécanique automatique ma mon poste dans l'entreprise mon salaire non j'essaie de parler de ma vie ce qui est bon pour moi dans ce poste ce qui marche bien pour moi dans dans la vie et si on arrive avec un esprit ouvert et si on va tenir une conversation qui n'a rien à voir avec votre esprit biaisé ni avec mon esprit biaisé, on va laisser tout cela de côté. Alors, on doit écouter. Écoutez les personnes. Alors, on ne va pas interpréter à partir de nos propres paradigmes ou à partir de nos propres préjugés. Alors, c'est ainsi qu'on aura de meilleures conversations. Alors, c'est un exercice de communication, d'échange effectif, de communication effective. Et c'est un véritable défi. Il est difficile de se communiquer et surtout dans des environnements où on provient de différents contextes, de différents domaines. Et ne vous ciblez pas sur ce que les autres font, mais comment vous allez les attirer à la conversation. Et c'est vraiment la clé. Bon, cela euh, vous aura déjà mené à, 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 la, à la moitié du chemin. Merci, Yvonne. Est-ce que les défis en tant que femme sont plus importants si vous êtes une femme latine? Ou, ou, euh, vu votre éducation, votre âge, et comment avez-vous euh, surmonté ces barrières et comment avez-vous relevé ces défis? Bon, attendez, voyez voir. Voyons voir. De nouveau, je crois que c'est la même chose. Il me semble que... Quand on ne satisfait pas les attentes ou les profils pour un poste, alors on nous dit oui, on cherche un homme pour ce poste. Alors la première réaction, c'est non, ça ne va pas marcher, on a besoin d'un homme pour ce poste ou j'ai besoin de quelqu'un ou j'ai... J'ai besoin de, de, de ce profil et de ces compétences pour ce poste. Alors, les, 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 il y a évidemment les attentes, les personnes euh, s'adossent à, 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 à leur chaise et disent ah bon, attendez, euh, bon, si j'essayais moi-même. D être, d être, si j'étais la, 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 la personne euh, si je me trouve euh, comme l'étranger dans la salle et qu'il y a que des hommes et il y a deux choix à faire en tant que femme je peux euh, rendre si évident que je suis la personne différente dans la salle ou je peux m'asseoir tellement à l'aise avec ces hommes cela ne veut pas dire que je serai d'accord avec tout ce qu'ils ont à dire ou que je vais faire tout ce qu'ils me disent que je fasse ou que ou que je vais faire, euh, ou que je vais euh, satisfaire les attentes euh, de tout le monde, mais euh, je vais euh, les mettre à l'aise quand ils travailleront avec moi. Alors, euh, je suis confortable avec le processus de changement. Par exemple, quand je suis arrivée au conseil d'administration, c'était tous des hommes. Alors, il fallait changer la dynamique de la conversation, le flux de la conversation. Comment est-ce que je vais euh, suivre ce processus en tenant des échanges différents, mais en euh, vous mais en vous mettant à l'aise ou encore plus à l'aise ou que vous intéressiez plus parce que vous avez une autre perspective et aider les personnes. Alors, les changements sont des paradigmes quand ils sont pas prêts pour le changement. Alors. C'est mieux que d'arriver et d'un seul coup de hache essayer de faire que tout soit absolument compliqué. Alors au cours des années, euh, euh, vu les attentes ce que les gens pensent de moi quand euh, euh, je, quand, quand j'entre dans la salle, bon, cela dépendra de comment euh, vous poursuivez la conversation. Je, je ne cache rien, même pas mon âge. Regardez-moi mes cheveux, mes cheveux. Che J'ai les cheveux blancs. Bah C'est tout ce que vous aurez. Voilà, et je me montre telle que je suis. Alors, quand vous êtes confortable avec vous-même et sûr de vous-même, les gens sont confortables, sont à l'aise avec vous. Bon, je dois vous dire qu'on a plus de 200 participants euh, qui se sont joints à notre session de Zoom. Alors, merci beaucoup pour cette conversation formidable. Quand on, tiens, on souhaite avoir une entreprise euh, équitable en termes des sexes, euh, si on veut avoir une égalité entre les sexes si on recherche des quotas des nombres et si on veut euh, attirer des personnes vous pouvez aller chercher des personnes vous allez chercher des femmes qui vont euh, qui vont vraiment euh, être en ligne avec ce que vous recherchez mais le seul caveat ici c'est quand on essaye d'affecter des personnes à des postes où ils sont pas à l'aise ou il, de, de manière peu naturelle, cela va se retourner contre nous. Alors construire une organisation, une entreprise où l'égalité des sexes prime, les entreprises qui ont vraiment euh, réussi à inclure les femmes et à les aider à arriver à, au sommet de l'échelle, elles ont trouvé... Un, un équilibre entre les les, les les carrières professionnelles, les voies professionnelles, et on reconnaît que ce n'est pas comment on va affecter les femmes aussi de travail, mais comment on va améliorer la manière dont on perçoit le poste de travail et comment les personnes portent leur propre vie, comment elles se gèrent dans leur propre vie. Quand les hommes vont à la maison et participent aux tâches du foyer, cela euh, également les implique dans euh, l'égalité entre les sexes. Alors, les entreprises doivent non seulement mettre en place des politiques pour intégrer les femmes, mais également euh, veiller à supporter les personnes dans leur vie personnelle ou où qu'elles se trouvent et quel que soit leur choix personnel. Si nous, en tant qu'entreprise, pouvons euh, terminer notre travail plus tôt et on respecte la vie des autres, et que les personnes ont plus de temps pour euh, leurs propres loisirs, leurs activités, leur famille, leurs préférences, leurs propres décisions, euh, leur vie au foyer, ce n'est pas seulement comment les femmes peuvent faire leur travail à la maison et quitter le travail plutôt, mais c'est plutôt euh, comment nous allons... Euh... Créer une entreprise qui se cible sur les individus, les individus qui ont une vie personnelle et qui ont besoin de trouver un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Et c'est cela qui va nous donner un, un équilibre entre les sexes. Et c'est comme ça qu'on aura un équilibre à mettre l'équilibre à l'intérieur de l'entreprise et, 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 et ne pas mettre les personnes en cage dans des boîtes. Merci, merci Yvonne. Euh, C'est vraiment très parlant. Dernière question. Comment nous, en tant que femmes, pouvons-nous soutenir et nous encourager euh, de façon mutuelle pour mieux écouter, pour euh, nous entraider, etc.? Bon, so soyez sûrs de vous-même. Quel est le. Ben, quel est, quel est le quel est, le cas, euh, quel est le cas majorant, quel est le cas majorant? Bon, Si je ne fais pas euh, la chose correcte, si je ne fais pas ce qu'on attend de moi, bon, parfois on fait des choses euh, qui, qui, qui n'ont aucun sens. Et encore, les personnes nous aiment et les personnes restent près de nous et nous disent, oui, c'est bien, on, on a mis trop de pression sur les femmes pour qu'elles fassent leur travail. Et quand on met trop de pression euh, pour euh, gérer une tâche, on... On commence à se questionner. Comment est-ce que je peux euh, me cibler sur cette situation à partir... À, euh et en ayant la confiance que si euh, si, si, si j'ai un échec, si ça ne marche pas, je peux toujours recommencer, on peut mettre les choses prendre un peu de recul, mettre les choses en perspective, vous êtes au travail, vous pensez que c'est la fin du monde quand on a pris telle ou telle décision et on a géré telle et telle tâche. Mais finalement on s'ouvre, on s'ouvre honnêtement et, et on analyse toute la planète, la vie, tout ce qui se passe autour de nous à un moment donné à une date donnée. Alors, la décision que je prends en ce moment moi-même probablement ne va pas changer le cours de l'histoire, mais pourra participer euh, à, et, et pourra participer à ce qui va changer le cours de l'histoire. Peut-être un petit grain de sel. Alors parfois j'aurai un échec par-ci par-là, mais c'est bien. Je vais recommencer. Alors on rentre dans, sa, sa, dans, dans, ce, dans cette idée au lieu d'arriver au travail et et, 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 et qu'on se sent à l'aise, c'est ainsi qu'on commence à briller, à rayonner, parce qu'on se sent bien avec soi-même. Merci pour cette conversation. Alors, j'invite M. Govertz, directeur général de CIMIT, pour clôturer cette session. M. Govertz, merci Isabelle, merci pour ce cadeau, le cadeau de votre histoire, de votre participation. Et nous apprenons en tant qu'individus, en tant qu'organisation, et vous nous inspirez à euh, agir correctement grâce à cette conversation. Et voici, on a déma démarré avec notre série, les catalyseurs de changement. C'est la toute première session. On a besoin d'écouter et de prêcher par l'exemple et d'être les catalyseurs du changement afin de résoudre les problèmes de demain. Si vous êtes tous intéressés à ce qui va suivre, je suis heureux de vous dire que nous aurons des intervenants jusqu'en 2020. Et si vous voulez savoir qui sera le prochain catalyseur du changement, restez à l'écoute et on se retrouve dans deux semaines. Bonne continuation, bonne soirée, bonne matinée à tous. Bonne continuation. Bonjour, je suis heureuse d'être ici. Je suis Altagracia Gomez et je partage le conglomérat de Theo. Je trouve l'inspiration pour faire mon travail de nombreuses manières, mes collègues, les communautés, et on peut le résumer en une idée. Le propos qui est la légitimation du pouvoir, nos ambitions sont toujours alignées ainsi que notre mission, et on s'efforce pour créer une richesse holistique. Nous avons besoin de deux aspects dans chaque leader. La représentation. Alors, deux volets. Alors, vous représentez vos valeurs, vos principes, vos objectifs. Ce devrait être une inspiration. Pensez à vos leaders. Et la deuxième chose que tout leader devrait avoir, c'est la capacité d'administrer, de gérer, résoudre des problèmes, déterminer euh, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important. Apprendre immédiatement et travailler en tant qu'équipe. Alors, rejoignez-nous le 18 juillet pour notre prochain séminaire catalyseur du changement.